Bonjour et bienvenue dans La Vie des diocèses, direction le diocèse d'Anvers, cette semaine tout au nord de la Belgique, en région flamande. Dans cette émission, nous irons à la rencontre de jeunes qui témoignent de leur foi chrétienne dans une société sécularisée. Nous recueillerons aussi le témoignage de prêtres étrangers en mission dans le diocèse. Et puis Anvers, rappelons-le, c'est le deuxième port d'Europe. Nous verrons comment la pastorale de la mer accompagne les marins. Ils sont éloignés de leur famille et vivent des conditions de travail souvent éprouvantes. Et nous recevons aujourd'hui Monseigneur Johan Bonny. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors on est ravis de vous accueillir, c'est la première fois dans la vie des diocèses. Et on rappelle que vous avez été ordonné évêque d'Anvers en janvier 2019. Donc vous venez de fêter vos 10 ans. C'est ça. 10 ans. Voilà. Donc voilà, vous connaissez bien ce territoire. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots? Qu'est-ce qui caractérise ce diocèse d'Anvers? Pour moi, c'était un diocèse nouveau, puisque je suis originaire du diocèse de Bruges. J'ai dû apprendre à connaître un nouveau diocèse. Ces deux réalités, de vicariat maintenant, la ville, l'agglomération d'Anvers, disons un demi-million d'habitants, et puis il y a la province, la campine, comme on dit, 700 000, 800 000 habitants. Quel est l'état de la foi dans votre diocèse ? Bon, il y a un peu de tout. Donc, on vit entre deux réalités, la sécularisation du côté belge-flamand, et puis il y a tous les croyants d'autres religions qui sont arrivés à Anvers au cours des 20-30 dernières années. Et donc, on vit entre ceux qui croient différemment, ceux qui croient à la façon chrétienne, et ceux, beaucoup aussi, qui peinent à croire aujourd'hui en notre société. D'autres religions, quelles sont-elles? Islam, bien sûr. L'islam surtout, mais il y a aussi, par exemple, les hindous, à côté de beaucoup de chrétiens non catholiques, donc les orthodoxes en grand nombre, et puis les évangéliques, et une grande communauté, il faut le dire, juive orthodoxe. Et c'est dans ce contexte que des jeunes chrétiens continuent de vivre leur foi chrétienne et d'en parler autour d'eux. C'est le cas par exemple de Sandra, une jeune femme avec qui notre journaliste Marie-Noël D a passé quelques heures à Anvers pour recueillir son témoignage. Reportage. Comme les jeunes de son âge, Sandra aime flâner dans le centre-ville d'Anvers. Cette chrétienne de 21 ans est très animée par sa foi. Membre de la pastorale des jeunes depuis ses 15 ans, elle préside un groupe local et anime aussi les rencontres des plus de 16 ans. Sa foi en Jésus s'est développée à un moment charnière de son adolescence. Pour moi, c'était dans le mouvement de jeunesse pastorale des jeunes ici à Anvers que j'ai de nouveau découvert la croix, la foi, la croyance, que c'était vraiment quelque chose pour moi. C'était un moment où à l'école, les choses n'allaient pas très bien. Et je me sentais très seule. Et alors là, c'était Dieu qui était un ami pour moi. Et donc c'est de là qu'il a vraiment... Oui, que j'ai commencé à sentir qu'il était avec moi dans ma vie, sur ma route. Et voilà. Je le ressens comme une sorte d'amour, une sorte de flamme, de feu qui était en moi. Et c'est quand je vais dans des églises et je fais une prière que je ressens qu'il est avec moi. Quand je suis toute seule, que je ne me ressens pas toute seule parce qu'il est avec moi. À Anvers, les prêtres constatent un manque d'engouement de la population. Mais cela n'empêche pas Sandra de partager sa foi avec ses proches. Donc autour de moi, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont croyantes. Qui sont chrétiennes. Je pense que je n'ai que 5 ou 6 amis qui sont vraiment croyantes. J'ai parfois des choses qui sont très logiques pour moi, selon la Bible. Alors je dis quelque chose qui me semble très logique, mais pour les autres, c'est pas très logique. Et alors ils disent, ah, pour moi, c'est pas comme ça. Et donc là, parfois, on a des blagues qu'ils ne comprennent pas et que moi, je ne comprends pas. Allez. Une différence qu'elle accepte avec le sourire, tout en continuant son chemin dans sa foi. Ce soir, rendez-vous à 20h à l'église du Sacré-Cœur, où a lieu une rencontre de prière de Thésée. C'est la première fois qu'en Belgique je fais une rencontre de Thésée, mais je suis déjà allée à Thésée en France.
chez les frères. Et là, j'ai vécu pendant quelques semaines. Et j'ai vraiment vu la vie là, dans la communauté. Donc, j'ai fait 3 prières par jour, une Eucharistie le dimanche. Et oui, on a beaucoup chanté, beaucoup parlé. J'ai beaucoup appris et j'ai aussi eu beaucoup de silence. C'est aussi un élément très important à Thésée, d'avoir quelques minutes de silence pour se retrouver et pour se retrouver avec Dieu. Pour Sandra, partager des moments de prière comme celui-ci est très important. Une façon pour elle d'approfondir encore plus sa vie spirituelle. Alors, Monseigneur, quel regard vous portez sur le témoignage de cette jeune femme ? Oui. Des jeunes comme Sandra, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que la découverte de la foi se fait en étapes. Et il peut se passer beaucoup de temps entre les différentes étapes. Le dimanche de la Pentecôte cette année, je vais donner le sacrement de la confirmation à 80 jeunes, plus ou moins, qui, à un âge, disons, quand même un peu plus loin que 12 ans, ont redécouvert la foi. Et c'est vrai que ce n'est pas évident pour ces jeunes-là. Ils vivent dans un monde sécularisé. La majorité de leurs amis s'y intéressent peu, à la religion, à l'Église. Et donc, ils se demandent, mais qui, comme elle dit, qui est le plus raisonnable ou le plus logique ici, hein? C'est un cheminement qui n'est pas facile et que nous devons bien accompagner. Par quel biais, généralement, ces jeunes découvrent la foi ? Et comment aussi la pastorale, peut-être qui est mise en place dans votre diocèse, aide des jeunes qui sont loin de la foi à découvrir Jésus ? Oui, il y a plusieurs voies, mais qui sont toujours un peu minoritaires, par la voie des écoles. En beaucoup d'écoles, il y a une équipe pastorale. Puis il y a les mouvements de jeunes, et en certains mouvements de jeunes, il y a aussi un groupe qui est actif autour des questions de la foi. Et puis il y a quelques nouvelles communautés chez nous, qui sont actives. Il y a la communauté de Sant'Egidio, il y a un peu le Chemin Neuf, il y a le néo-catéchuménat. Donc il y a des petits groupes. Et puis il y a la pastorale des jeunes, IED, qui est, disons, le service pastoral organisé par les diocèses, qui essaie aussi de créer par-ci, par-là, des petits groupes. Monsieur, vous parlez des écoles. Vous-même, depuis 10 ans, chaque mois, vous allez visiter une école. C'est aussi une démarche, oui, pour être au plus proche de ces jeunes. Donc chaque mois, je passe une matinée dans une école et avec les professeurs de religion, j'entre dans les classes pour une leçon complète. Et donc, ils peuvent me poser des questions ou bien je participe au sujet du jour. Et pour moi, c'est une façon d'écouter les jeunes et de parler avec eux et de voir aussi un peu la diversité de tous ces jeunes qui se trouvent en classe. Et donc, quand c'est à Anvers, il y a des jeunes de toutes les religions. Quand c'est en Campine, là, c'est plutôt des Belges. Donc, d'un côté, c'est les questions qui touchent à la sécularisation. D'autre côté, la différence des religions. Ils savent ce que c'est un évêque ? Ah ben oui, mais là, je me sens mieux que dans mon bureau. Monseigneur, pour revenir au témoignage de Sandra, on voit ce désir chez elle de témoigner de Jésus autour d'elle. Et pourtant, elle fait face à l'incompréhension. Elle dit « ce qui est logique pour moi ne l'est pas pour les autres ». C'est quoi la clé, finalement, pour pouvoir toucher les cœurs ? Oui. C'est d'abord le courage qu'elle a de continuer son cheminement et d'aller à la recherche de Dieu, la foi, Jésus-Christ, et de ne pas avoir peur. Et d'ailleurs, les jeunes, ils n'ont pas tellement peur, je pense, et puis ils grandissent aussi dans une diversité d'approches, seulement qu'il leur faut le courage pour dire, voilà, moi je suis chrétien et je participe à tel groupe ou le dimanche je vais à telle église. Il faut du courage, c'est vrai, mais d'autre part, qui chez nous dit clairement ce qu'il pense et ce qu'il sent est apprécié aussi pour son courage et pour chercher à avoir une identité. Donc tout n'est pas négatif. Donc, c'est quelqu'un qui annonce sa foi de manière claire et fière d'elle est apprécié plus que quelqu'un qui en douterait un peu. Oui. Ouais. Monseigneur, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Repartir de Jésus ». Je ne vais pas m'aventurer à prononcer en flamand le titre de votre ouvrage, mais c'est « Repartir de Jésus ». C'était quoi le message de fond de ce livre et en quoi ça rejoint aussi le témoignage de Sandra ?
Alors, il y a plusieurs choses. L'Église, chez nous, elle doit redémarrer, elle doit repartir. À aucun prêtre, je peux donner une paroisse toute faite. Non, l'évangélisation, la mission de l'Église, elle doit vraiment repartir. Et elle doit repartir de Jésus-Christ. En plus, je crois qu'il y a suffisamment de Dieu en notre société, aussi bien chez ceux qui croient en Dieu que chez ceux qui ne croient pas en Dieu, parce qu'eux aussi ont une image de Dieu. Ce qui manque, selon moi, c'est davantage, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui manque. Qui revient vraiment à la aussi source. Bien chez les croyants que chez les non-croyants. Chez vos jeunes chrétiens, il y a des vocations qui émergent. Il y en a, mais peu, pour la vie religieuse, pour devenir prêtre. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Donc, au niveau des vocations pour la vie religieuse et le séminaire, on reste sur le minimum. Vous avez aussi un certain nombre de prêtres étrangers en mission dans votre diocèse. Quelle est la part de prêtres étrangers et de prêtres du cru, disons? Disons, les prêtres moins de 60 ans, pour le moment, c'est moitié-moitié. Donc, une bonne vingtaine de prêtres étrangers, une bonne vingtaine de prêtres anversois. Donc, pour un territoire d'1,8 million. Oui, plus. Et donc, on est maintenant, je pense, à un prêtre sur 20 qu'on avait il y a 30-40 ans. Alors, nous avons rencontré trois de ces prêtres étrangers, les pères Guilin du Cameroun, Fabio du Brésil et Thomas d'Indonésie. Ils nous partagent leur expérience dans le diocèse d'Anvers. Pour un missionnaire, venir dans une nouvelle culture suppose aussi la connaissance de cette culture. C'est ça peut-être le plus difficile. Parce que la Belgique n'est pas le Cameroun, le Sénégal. Il me fallait donc m'adapter, essayer de comprendre l'homme dans son environnement pour pouvoir bien sûr mieux entrer en contact avec les gens et mieux transmettre le message qui... ce message de Jésus qui m'a amené jusqu'ici. We see that the difference of the culture reflected in the church. We come from places where the society, the population is mostly young, and then here we are in a place where the population is mostly old. La communauté nous porte à vivre notre relation avec Jésus. Alors qu'ici, la communauté est particulièrement absente, ce qui fait que c'est l'individu qui s'affirme. Ce soutien manque parfois aux personnes, surtout aux jeunes. Ils se sentent un peu seuls. S'ils nous vont toucher les gens, ils doivent se rendre compte que nous croyons en ce que nous disons et que nous nous efforçons de conformer notre vie au message que nous annonçons. Première chose, je crois que c'est la conviction, avoir foi. Monseigneur, vous comprenez que ces prêtres, à leur arrivée, soient déroutés? Oui, tout est différent. Tout est différent. Là, ils sont une communauté de trois, un qui vient de l'Amérique latine, un autre d'Afrique, un autre d'Asie. En arrivant chez nous, en Europe du Nord, tout est différent. Donc, il faut un temps d'adaptation, d'inculturation et un bon accompagnement. Alors, ce groupe d'une bonne vingtaine de prêtres venus de l'étranger, je les vois tous chaque mois. Chaque mois, il y a une réunion de tout un après-midi et moi, j'y participe toujours. Donc, pour être en contact avec eux. Puis, il y a un accompagnement au niveau de leur activité pastorale, mais aussi au niveau de la langue. On entend le père Guilin qui parle de la communauté, de la difficulté de cette communauté perdue, finalement, puisqu'il retrouve, donc, dans le diocèse d'Anvers, plus l'individu. Quel appel aussi, vous, en tant qu'évêque d'Anvers, vous lancez à vos communautés pour se reformer d'une certaine manière? Eux, ils vivent dans les banlieues d'Anvers, où à l'époque, il y avait sur ce territoire-là 7-8 paroisses florissantes. Là, tout est à recommencer. S'ils veulent avoir une communauté autour d'eux, eh ben, ils doivent la recomposer. Alors, c'est donc aider les... Qu'est-ce que je fais? J'essaie de les aider dans cette mission. N'ayez pas peur. Aller à la recherche de nouvelles familles, de nouveaux jeunes dans vos quartiers et essayer d'inventer de nouvelles façons pour les réunir autour de l'Évangile, une activité. Par exemple, j'ai demandé au père Guilin, venu d'Afrique, d'organiser notre participation au JMJ en Panama.
Donc c'est lui qui était le responsable de nos jeunes anversois à Panama. Et pour lui, c'est une façon voilà, de faire la connaissance d'autres jeunes et d'entrer un peu dans leur vie et dans leur groupe. Oui. Monseigneur, on parle des différences linguistiques, culturelles. Comment vous réussissez à construire cette unité dans le presbytérium, au sein des prêtres de votre diocèse ? Les réunions. Ça ne se fait pas par écrit ou par lettre, il faut se voir. Et donc, comme je le disais, chaque mois, je vois tous ces prêtres, il y a une réunion qu'on appelle chez nous Saint-Amand, internationale, et donc tous ensemble, parce qu'il y a aussi une petite dizaine de prêtres de chez nous qui participent à cette réunion, donc chaque mois, ils sont une bonne trentaine à y participer, avec d'autres prêtres. Puis la semaine dernière, nous avons eu une rencontre de tous les prêtres actifs, y inclus donc les prêtres étrangers, réunir et faire la connaissance des uns des autres. Créer des liens d'amitié. Oui, donc, le système d'antan où les prêtres se connaissaient du temps du séminaire, il est révolu, il n'existe plus. Monsieur, on l'a vu dans les derniers synodes, notamment le synode sur la famille, de grands débats entre évêques, on va dire, plus conservateurs, partisans d'un maintien de la doctrine sur les questions d'ordre familial et sexuel, porté notamment par les évêques de pays émergents, comme l'Afrique, l'Amérique du Sud. Et puis, il y avait les évêques qu'on a dit plus libéraux, dont vous êtes d'ailleurs, les évêques occidentaux, qui portaient plutôt pour une évolution. Est-ce que ces débats, on va dire, sur la morale, se retrouvent aussi entre ces prêtres venus d'ailleurs et les prêtres belges ? Oui. Donc, chacun arrive un peu avec le modèle de la famille qu'il a connue dans son pays, dans son continent d'origine. Et c'est vrai qu'arriver en Occident, ben, c'est une confrontation de découvrir ces autres modèles de vie familiale. Donc pour eux, en effet, pour qui vient de l'Europe de l'Est ou de l'Afrique, c'est un nouveau monde à découvrir. Voilà. Et ça aussi, il faut l'accompagner. Donc il faut que moi je suis là et qu'ils peuvent me poser des questions aussi. Comment nous, en notre diocèse, ou en nos diocèses au pluriel, nous vivons ces réalités différentes de chez eux. Alors moi, j'ai toujours dit, l'évêque, il est pasteur, mais il est aussi père de son diocèse. D'ailleurs, en France, on dit toujours père-évêque, ce qu'on ne dit pas chez nous. Père-évêque. Alors, les parents, les grands-parents, qu'est-ce qu'ils veulent pour leurs enfants, leurs petits-enfants, qui qu'ils soient? C'est que les grands jours de l'année, les grandes fêtes, Pâques, Noël, ils puissent se réunir tous en leur maison, tous autour de la table. Et donc, ma première préoccupation comme évêque, ce n'est pas, disons, tel ou tel jugement moral, mais de pouvoir réunir l'ensemble de cette grande famille qui s'appelle mon diocèse, de pouvoir réunir tous les catholiques de mon diocèse autour d'un projet pastoral commun. – Vous, c'est vraiment plus sur l'accueil, par exemple, des personnes divorcées, remariées, des couples homosexuels, oui. Des couples bisexuels, c'est vraiment là-dessus que vous mettez l'accent ?– La communion, on est une famille. Le fait qu'on est baptisé, ben, ça crée quand même des liens plus profonds que tout le reste. Et puis, comme évêque, je suis reconnaissant à tout ce que ces personnes contribuent aussi à la vie de l'Église. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui vivent des situations particulières, mais qui sont fort engagés dans l'Église, et sans eux, l'Église serait plus pauvre. – Monseigneur, certains de vos propos avaient créé la polémique, puisque vous aviez appelé l'Église à reconnaître la relationnalité qui est également présente chez les couples homosexuels. Est-ce que vous comprenez que ce sujet fasse polémique? Est-ce que vous comprenez les attaques que vous avez pu subir sur ces questions-là? Oui, je comprends bien que ce n'est pas évident, pas seulement parmi les croyants, mais aussi parmi les évêques. Alors, mais moi je suis très, très, comment dire, reconnaissant au pape François pour tout ce qu'il a écrit en Amoris Laetitia sur ces questions-là. Donc la façon dont il parle du discernement, le clé, il est là, discerner entre les situations, discerner entre la différence des situations
et reconnaître aussi la valeur des jugements personnels que les personnes de bonne volonté peuvent porter sur leur situation. Justement, Amoris Laetitia a permis finalement, a donné une latitude assez importante au diocèse, localement, pour, selon les situations, adapter ce qui devait être fait. Est-ce que vous, dans votre diocèse, avec Amoris Laetitia, il y a des choses qui ont évolué et peut-être des bénédictions de couples homosexuels, c'est ce que j'ai lu par ailleurs, ou des bénédictions de couples de personnes divorcées ou mariées? Oui. Disons tout d'abord que Amoris Laetitia a permis, disons, aux fidèles de lire à nouveau des textes de l'Église et du Pape sur ce sujet-là. Parce qu'il y avait un décalage, disons, pratiquement une impossibilité, une impuissance à écouter, à comprendre encore ce qui venait du Pape. Maintenant, on est heureux d'avoir un texte du Pape, un texte comme celui d'Amoris Laetitia, qui est un instrument de communion dans l'Église. Donc, le Pape, il ne prend pas parti pour les uns contre les autres, non, c'est un instrument de communion. Le principal, il est là, selon moi. Autre sujet, le diocèse d'Anvers est aussi attentif aux marins qui viennent du monde entier. Et oui, car le port d'Anvers est le deuxième plus important d'Europe. Leurs conditions de travail sont éprouvantes, ils sont également loin de leur famille. On écoute. The interaction is to be the connection between the water and the land, between the work and the family, to offer them the possibility to connect with other people and to make that they feel welcome, that they are somebody. He helped us by bringing God's words, which seamen's really need, especially when the times seamen on the vessel, because we are very far from our family, so Father will take care of us, every seaman, so that's why seamen are very happy, because we are very close to God. They are working not for looking for adventure, but they are working to maintain their family. So the traditions and the faith is very important to have an identity. Most of the seafarers are religious. We, with the apostleship of the sea, we offer, of course, sacraments in the weekend. There is a mass in the seamen's club every Saturday and Sunday in the evening. But also there is a request of masses on board. For instance, they passed a very storm weather, and they were almost losing the ship and losing their lives as well. So there is a Thanksgiving mass. But also when they lose a colleague, so they want to pray, because life is continuing. So someone died, but next day the ship is going on. So that must be a ritual to continue, to put a sense on all the things. Alors, Monseigneur, ce port d'Anvers est assez incroyable, puisque sa surface est plus importante que la ville même d'Anvers. Si, le port s'étend sur 30 kilomètres. On le voit dans cette interview, on voit l'accompagnement de l'Église parfois dans des drames, hein, des marins qui perdent aussi la vie. Finalement, qu'est-ce que cette présence de l'Église à la frontière entre la vie et la mort dit de cet investissement de chrétiens auprès de ces marins? Donc, l'équipe pastorale, qui est une équipe œcuménique, je veux le dire aussi. Et donc, il y a des prêtres catholiques et puis des assistants pastoraux protestants, anglicans et orthodoxes dans l'équipe. Donc, ils sont là pour ce monde caché des marins qu'on ne voit plus. À l'époque, les marins, ils pouvaient descendre de leur bateau et visiter la ville. Maintenant, ils n'en ont plus le temps. Ils sont dans ces bateaux gigantesques et vivent là une vie vraiment coupée du monde. Et comme on a vu, donc, les prêtres, ils vont là pour prier avec eux, pour parler avec eux. Un soutien aussi à leur famille, parce que beaucoup de ces marins sont absents de leur famille pendant 4, 5, jusqu'à 9 mois. Donc, il y a aussi cet aspect solitude qu'ils vivent sur leur bateau. Et puis, il y a cet accompagnement aussi à la limite
de la vie et de la mort. C'est ce que je dis dans ma question précédente. Là aussi, c'est peut-être le moment aussi où l'homme a besoin aussi d'hommes de Dieu qui leur parlent de Dieu. Et donc, quelquefois, il s'agit bien de la mort, hein, quand ils ont perdu un marin. Quelquefois aussi, il y a des marins gravement malades qu'ils vont visiter à l'hôpital. Ou quelquefois, il y a une liturgie aussi à célébrer, oui, sur la frontière entre la vie et la mort. Oui. C'est la mission de l'Église, finalement. Ah, oui, nous devons être là. Et c'est un travail magnifique. Quelquefois, j'ai été sur un bateau, mais donc, il est tellement important qu'il y ait des aumôniers à la disposition de ces hommes et femmes cachés dans le grand bateau. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Et merci à tous pour votre fidélité. On salue tous les téléspectateurs de KTO en Belgique, bien évidemment. Et puis toutes les actualités du diocèse d'Anvers sont à retrouver sur le site internet www.kerknet.be pour tous ceux qui parlent flamand. Je vous invite aussi à visiter le site de l'Église catholique en Belgique francophone, www.katobel.be. Et pour revoir cette émission, c'est en replay sur le site de KTO. À la semaine prochaine. Au revoir.